Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de classe parents live. Donc nous sommes à nouveau très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour eh ben tout simplement la dernière de l'année. Et c'est pour cela que nous avons revêtu notre meilleur bonnet. N'est-ce pas Eric Bonjour Eric. Bonjour, Comment bonjour Mathieu, Mathieu, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc euh, tout simplement, on va laisser euh, comme à son habitude quelques instants pour que les gens puissent euh, se connecter. J'en profite pour euh, saluer euh, les filles, donc Hélène et Marion. Bonjour. Voilà, donc euh, je le rappelle, les filles sont présentes pour nous retranscrire toutes vos questions potentielles. Donc alors, n'hésitez pas pendant ce live. à poser toutes vos questions. On se fera un plaisir avec Eric d'y répondre. Donc voilà, c'est parti. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, le sujet du jour va tourner autour d'un produit phare qui suscite pas mal d'interrogations et euh, qui est très intéressant. Nous, avec aussi, on aime bien l'utiliser au quotidien. Au quotidien, ou presque. Ce produit est l'AC0800, la mallette AC0800, qui est le testeur de pression digitale. Grâce à ce produit, on va être capable de prendre une multitude de pressions autour d'un moteur, qu'elle soit pneumatique ou hydraulique. Pour la petite histoire, nous sommes très fiers, donc je fais une petite parenthèse, nous sommes très fiers de vous présenter donc, euh, ce petit encadré. Nous avons été primés lors d'un prix de l'équipement 2020, donc le coup de cœur du jury, donc ça fait toujours plaisir. Voilà pour cette parenthèse. Je vais laisser la parole à mon confrère, Eric, qui va vous présenter... La composition de cette mallette. Voilà, donc on l'a appelée Master Kit, cette mallette, AC0800, hein, puisque comme Mathieu l'a évoqué, elle va nous permettre de substituer un grand nombre de manomètres que vous pourriez déjà avoir dans l'atelier. L'intérêt, c'est de pouvoir faire du tout en un. Donc la mallette est composée de la tablette, l'élément principal, donc une tablette. Encadrée d'un pourtour ABS, donc ultra résistante, puisqu'elle va travailler dans les ateliers. Le but étant de pas, pas la faire tomber, mais lorsque le cas échéant, ça arrive, elle ne soit pas endommagée. La mallette aussi constituée d'un différent nombre d'accessoires, à savoir un capteur qui va vous permettre de travailler sur de la basse pression, donc de moins 1 à 3 bars ainsi qu'un capteur pour travailler de. 0 à 300 bars. Livrez également un faux injecteur pour faire de la prise de compression. On va y revenir plus tard. Donc cet adaptateur universel muni de différentes brides et d'entretoises de tailles différentes vous permettront de substituer votre injecteur afin de prendre des compressions sur votre moteur et donc de pouvoir travailler sur l'intégralité du parc de VL. Est livré également avec la mallette une fausse bougie et ses adaptateurs en M12 et M14. Également, pour pouvoir effectuer ce test de compression, est livré un clapet anti-retour afin de fiabiliser la mesure que vous allez effectuer. Tout à fait. Un cordon mini-USB et USB pour nous permettre de recharger. La tablette hein, équipée d'une batterie euh, lithium ce cordon va pouvoir aussi vous être utile si vous voulez synchroniser la tablette avec un écran d'ordinateur pourquoi le but étant de pouvoir imprimer les mesures que vous allez effectuer que ce soit pour justifier euh, de votre travail auprès d'un client ou euh, par exemple dans le cadre d'une expertise euh, donner votre rapport à votre expert donc ça il y a un réel intérêt de pouvoir euh, communiquer, envoyer les résultats de vos tests oui. sur votre écran d'ordinateur. De plus, est livré avec la mallette un certain nombre d'embouts, d'accessoires de durite vous permettant d'aller effectuer l'intégralité des tests que vous auriez à faire sur un bloc moteur. Ainsi qu que 12 accessoires, donc des accessoires en T ou autre, des accessoires qui sont équipés de raccords rapides, de raccords type Origine, hein, pour ne pas avoir à faire des branchements un petit peu sauvages. Là, l'avantage, c'est qu'on a tous les raccords nécessaires pour pouvoir effectuer les tests dont vous auriez besoin. Pour reprendre les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités que l'on va pouvoir effectuer avec la tablette, on vous les a représentées ici à l'écran. Vous allez pouvoir faire des tests de compression moteur, des tests sur de la basse pression essence, des tests de pression de turbo, des tests de pression Blue. ça c'est très en vogue, je dirais puisque c'est des problématiques qui sont récurrentes, on en reparlera aussi tout à l'heure. à fait. Vous allez pouvoir faire des tests de pression de système de refroidissement. Vous allez avoir aussi un menu réglage qui va vous permettre de travailler sur deux unités de, de mesure, que ce soit des barres ou des PSI. Et vous allez pouvoir sélectionner la langue. Exactement. Ça hein? tombe bien, ma grand-mère est allemande. Si elle souhaite euh, acheter ça Ah allemand, allemande, ça, ça tombe bien égal allemand. Bon, très, très bien. de plaisanterie, Parfait. on va pouvoir travailler en anglais, en français, en espagnol, en allemand on l'a dit, et en italien. Sur l'écran de droite, d'autres fonctionnalités. Vous allez pouvoir faire du, les tests de fuite d'étanchéité de cylindre, des tests haute pression, des tests de dépression, des tests de pression d'huile, des tests sur des filtres à particules. Et vous avez aussi également un manomètre en lecture directe quand vous savez quel capteur ou euh, quel nombre de barres vous allez travailler. Donc, j'ai cru comprendre que tu avais amené aussi des options sur cet appareil, Mathieu. Exactement, Eric. Eh ben, écoute, euh, Et moi, je, je t'invite à prendre euh, ces différents capteurs afin qu'on puisse donc déjà vous expliquer qu'il y a en plus de ce coffret-là des options supplémentaires. Je t'invite à passer sur l'atelier. Euh, Allons-y. Précédent. Je vais prendre la tablette aussi. Ouais. Merci. Voilà. Merci, Eric. Donc euh, merci Eric pour l'explication de cette composition de, donc de cette mallette de l'AC0800. De plus, pour aller plus loin dans votre contrôle, donc, si vous êtes amené à faire des tests de haute pression de carburant, donc, en plus de l'AC0800, donc la tablette, il s'agira d'être muni d'un coffret en option, qui sera l'AC0801. Cette option vous permettra de contrôler par le biais d'un capteur allant de 0 à 2000 bars et de deux flexibles haute pression. Avec cette option, vous serez capable de venir vous prendre directement soit sortie de pompe haute pression, la pression sortante de votre pompe, mais aussi de vous prendre en circuit fermé prendre la pression résiduelle de votre circuit. Voilà, moteur tournant. Donc que ce soit au ralenti ou à un régime plus élevé. Mais aussi, on peut aller beaucoup plus loin dans le diagnostic, toujours au sujet de la haute pression. Donc je passe pour cela. Donc comme je vous le disais précédemment, nous avons un premier coffret en option. Pour travailler sur la haute pression avec un capteur de 0 à 2000 bar, vous souhaitez aller plus loin dans votre dans votre diagnostic et à ce moment-là, nous avons aussi des coffrets appelés AC0802 et 803 pour aller faire un diagnostic plus approfondi. Donc je reprends par ce schéma. Donc vous allez prendre et d'un une première mesure. Donc sortie de pompe, tout simplement, la pression émise. Euh, maximum au démarrage de votre pompe et vous allez prendre une deuxième mesure. Grâce à ce coffret de faux régulateurs de pression, vous allez être capable de cibler et d'isoler votre élément. Votre deuxième mesure, vous allez tout simplement enlever votre régulateur d'origine et venir insérer le régulateur factice adéquat et reprendre une seconde mesure. Et là, très facilement, en comparant vos deux valeurs, vous serez capable d'émettre votre bon diagnostic et, euh, on va dire, de cibler l'élément défaillant. Pour aller encore plus loin, s'il s'avère que le problème est toujours présent, à ce moment-là, je vais être capable d'aller au-delà de mon circuit. Et grâce... À mon coffret de multiples bouchons pour venir fermer mon circuit. Donc, ceci est des bouchons pour obstruer notre rampe commune. Tout simplement, équipé soit en M12, soit en M14, on sera capable d'isoler, encore une fois, injecteur par injecteur. Donc, là, nous irons encore plus loin dans un diagnostic on sera capable, par le biais de ces bouchons, d'aller obstruer notre rampe commune et aller tout simplement isoler injecteur par injecteur pour tout simplement savoir quel élément est mis en cause. Voilà Eric. Eh bien, écoute, moi ce que je te propose, euh, je le rappelle à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Nous allons faire euh, une autre pression au réel sur un moteur. Voilà pour qu'on ait un visuel de cette pression sur cette tablette. Donc effectivement, là, on a mis sur banc un moteur, donc un DV6, euh, pour essayer de vous présenter non pas l'intégralité des tests hein, que, qui est possible d'effectuer avec la tablette, mais un échantillonnage, hein, puisque vous l'aurez compris, on n'a pas l'élément complet du véhicule. Donc si, par exemple, on voulait faire un test de pression euh, d'ADBlue, ça ne serait pas possible dans, dans le cas présent. En revanche, ce qu'on va pouvoir effectuer comme test, c'est un test de compression moteur. Donc je vais sélectionner sur la tablette le test euh, désiré, à savoir le test de compression. Je vais brancher le capteur adéquat, à savoir celui qui fait 0 à 300 bars. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un détrompeur à l'arrière de, de la tablette. Et si vous vous trompez de, de capteur, euh, l'appareil vous le dira. Hein, donc, euh, 0,300 bar, je branche mon capteur, hop, comme ceci, j'appuie sur OK. J'ai la possibilité également d'aller travailler jusqu'à 6 cylindres, en l'occurrence, on est sur un 4 cylindres, et sélectionner euh, le cylindre désiré. Nous, la fausse bougie qu'on a montée, elle est sur le cylindre numéro 1, donc je me positionne sur le cylindre numéro 1. Très bien. Voilà, donc pour ce donc, faire. Ça, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, hein, je vais essayer de, de, de vous le représenter au mieux. Donc Mathieu, ouais, ouais, si tu veux bien te brancher donc, sur le, notre fausse bougie cylindre numéro 1. Et donc là, sous l'action du démarreur, nous allons prendre notre compression moteur d'un des quatre cylindres. Donc là, on voit bien à l'écran, le cylindre numéro 1 présente un taux de compression à 16,1 bar. Et on va intervenir ainsi de suite sur nos quatre cylindres. Donc ça, c'était pour vous représenter le test de compression. Mathieu, euh, je crois que tu nous as mis en situation aussi euh, un problème euh, de FAP éventuel, qu'on va pouvoir également tester avec la tablette. Tout à fait, Eric. Donc, euh, merci Eric. Pour rebondir sur cette euh, prise de mesure, il est important de savoir qu'à ce moment-là de cette prise de compression moteur, à savoir, à tout moment, il est capable de sauvegarder vos mesures. En bas de la tablette, nous avons un petit bouton Save qui va venir enregistrer vos valeurs afin pour la suite d'aller les exporter sur votre PC. Comment exporter ces valeurs-là tout simplement, vous allez sur notre site internet classe.com, sur la page du produit de l'AC0800. Il y a un petit encadré pour venir télécharger ce logiciel afin de le mettre sur votre PC. Voilà, Eric. Eh bien, écoute, oui, on va procéder à un autre test qui, qui est phare et qui va pouvoir élucider euh, de, on va dire, de, de nombreux problèmes euh, au niveau de, de filtres à particules. Euh, pour ce faire, je vais vous inviter à repasser, j'ai illustré un petit euh, schéma pour vous montrer comment et où s'insérer pour venir prendre cette mesure. Donc, par un petit schéma... Très bien fait, hein, cela dit, dans un poisson, en partez soin. Exactement. Les talents vous avez talent de dessinateur. Vous pourrez remarquer, euh, je remercie le dessinateur. Donc, en fait, par ce dessin, j'ai représenté euh, tout simplement... Le filtre à particules de ce moteur-là. A savoir, chez PSA, nous avons un groupe, donc un groupe comprenant le catalyseur et le filtre à particules. Voilà. Donc, euh, nous allons retrouver tout simplement bon, bah, l'entrée d'air. J'ai voilà, illustré le turbo, l'évacuation des échappements passant par ce groupe cata-filtre à particules et évacué vers le silencieux d'échappement. À tout moment, le véhicule enregistre et calcule la pression au sein du filtre à particules que ce soit en amont ou en aval représenté comme ceci. À tout moment, ces pressions-là sont analysées par un capteur de pression différentielle. Cette analyse est envoyée directement au calculateur. Mais admettons que ce capteur soit défaillant. C'est pour cela que va intervenir cette tablette. On va être capable de relever et de prendre notre mesure de pression réelle au sein de notre filtre à particules et capable d'analyser nos deux valeurs. Donc à ce moment-là, où est-ce que je vais me situer Donc j'ai représenté ma tablette à ces 0,800. Je vais venir tout simplement déconnecter mon tuyau situé en amont de mon filtre à particules pour pouvoir prendre la pression. Au sein de mon filtre. Donc, tout simplement en déconnectant la le tuyau, la durite euh, souple située au niveau de mon capteur de, de pression différentielle. Car euh, bien souvent, c'est là où c'est le plus simple euh, d'accessibilité. À ce moment-là, je vais venir prendre ma pression et la relever. Bien évidemment, je ne vais pas vous empêcher de prendre une deuxième valeur si vous le voulez. Vous pouvez aussi très bien prendre une deuxième valeur en amont pour les comparer. Mais une seule valeur suffira. Si vous prenez la valeur en amont déjà, ce sera bien efficace. La preuve en image. Donc on va effectuer pareil le test sur euh, le même moteur. Pour la petite histoire, on a triché hein, pour pouvoir vous représenter euh, ou plutôt simuler euh, des dysfonctionnements au niveau du FAP. On a, monté une petite vanne. on a monté une petite vanne à l'arrière du FAP pour euh, simuler le fait qu'il soit bouché, obstrué ou alors complètement efficace. Hein. C'était pour pouvoir euh, simplement avoir un exemple. Tout à fait, Eric. Donc, pour ce faire, on va retourner sur la tablette en sélectionnant l'opération désirée. On veut contrôler un filtre à particules. On me demande de brancher un capteur moins un, un bar donc je vais le connecter à l'arrière comme ceci Mathieu je vais te donner l'autre bout si tu veux bien le brancher de ton côté bien sûr donc Merci. comme vous pouvez le voir pour faire cette pression et cette prise de mesure j'ai été déconnecter ma durite souple allant à mon capteur différentiel et raccordé avec à l'aide des accessoires fournis dans le coffret comme ceci, directement sur la durite. Et je viens connecter mon capteur moins 1, 3 bar. Et par notre différent contrôle, nous allons faire trois mesures différentes. Donc, d'un filtre qui serait entièrement positif jusqu'à un filtre entièrement bah, négatif. Obstrué. Obstrué. Donc là, on s'aperçoit sur l'écran qu'on parle en. La graduation est exprimée en millibars. Trois euh, unités de contrôle, une valeur verte, le filtre est complètement passant, pas de souci particulier. Une euh, section orange, le filtre est partiellement bouché. On pourra utiliser une solution préventive qu'on a à la gamme également hein, pour un nettoyant FAP dans un premier temps. Ou alors une plage complètement rouge, allant donc jusqu'à 50 millibars, ce qui voudrait dire que. Il y a une, une quantité de suite qui est bien trop importante à l'intérieur du FAP pour pouvoir euh, laisser les échappements euh, passants s'évacuer. Voilà. Donc, première valeur, donc sous l'effet euh, de l'action du démarreur ou moteur tournant. Donc là, on s'est aperçu que la valeur est bonne. On est dans la zone verte. Aucun souci à déplorer. On va pouvoir passer sur la fe... seconde phase de test. Donc à ce moment-là, j'ai été simulé un filtre qui serait partiellement encrassé. Re-coup de démarreur. Il faut que tu rouvres, euh, refermes un petit peu la vanne, Mathieu, s'il te plaît. Nous recommençons. Ouais, J'espère que... Voilà, donc là on est bien monté en zone orange, hein, donc euh, jusqu'à 23 millibars, ce qui indique bien que nous avons obstrué le filtre à particules. Et pour aller au-delà, j'ai mon petit lutin qui est parti fermer la vanne. Excusez-moi pour le retard, <laughs> j'ai attrapé une suée là, je viens de me taper 1500 mètres de dénivelé positif. Je vous assure, pas le choix, hein, étant donné que les, les remontées sont fermées. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Très bien, donc euh, troisième essai euh, avec un filtre entièrement encrassé. Voilà ce que ça peut donner. Là, on l'a bien vu, on est monté complètement dans le rouge, au-delà même de 50 millibars, ce qui veut dire que le filtre est complètement obstrué, donc à remplacer. Exactement. Pour rappel, donc tablette, coffret, AC0800 et ses options. Lors de ce contrôle du filtre à particules, donc, il s'avère qu'à euh, tout moment, on est capable, bien évidemment, d'enregistrer ces valeurs et de les exporter sur notre PC. Donc, que ce soit enregistrer donc, tout simplement les valeurs en interne, que ce soit pour éventuellement en guise de preuve pour son client, mais encore en cas, comme le disait Eric précédemment, euh, en cas de contrôle ou d'un passage d'un expert, ça pourrait être euh, éventuellement demandé. Donc ça, c'est vraiment très important et, et efficace, on va dire, à, à savoir. À savoir que... Euh, à savoir. Voilà, merci beaucoup. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. <rire> <rire> Donc alors pour ce faire, voilà, euh, Eric. Il y a est... également, euh, on va préciser aussi, une multitude de coffrets qui sont compatibles, miscibles avec cette tablette. Tout à fait. Donc des coffrets que vous pourriez, euh, dont vous pourriez déjà être propriétaire. Alors que ce soit chez Classe ou ailleurs, peu importe, on n'est pas chauvin. Je vais vous les présenter ces coffrets. Eh on bien, allons-y. On a pris deux extraits de mallettes qui seraient compatibles avec la tablette. Donc un contrôleur de pression d'huile. Chez nous, ac 4111 Alors. L'intérêt, par exemple, de, le, de faire communiquer ce testeur analogique et son manomètre en lecture directe avec la tablette serait, encore une fois, de pouvoir imprimer un résultat de test. Tout à fait. Hein, donc, euh, encore une fois, justifier du travail effectué et des, des, des mesures qui ont été constatées. Donc, par le biais des adaptateurs, on pourrait tout à fait, compa enfin, on pourrait tout à fait euh, rendre compatible. Puisque c'est le cas, Tout à fait. Donc <laughs> la en... tablette avec la prise de mesure. Au même titre que notre coffret de fausses bougies AC2024, qui également est compatible, puisqu'on l'a utilisé d'ailleurs pour ce test euh, sur le moteur, avec la tablette. On aurait pu très bien aussi prendre une compression moteur avec le faux injecteur fourni dans la mallette. Voilà, donc je tiens aussi à préciser qu'on va avoir un certain nombre d'évolutions qui vont arriver. De dès le début de l'année prochaine. Donc début 2021, nous ne manquerons pas de revenir vers vous par le biais de nouvelles vidéos afin de vous présenter les évolutions puisqu'on est en travail constant, on travaille en permanence chez Classe Équipement grâce à notre service R&D. On, on travaille sur des améliorations, des accessoires qui seraient susceptibles de vous intéresser et on ne manquera pas de vous les présenter très prochainement. Parfait Eric, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, euh, c'est vrai que c'est très compliqué de suivre. Ça paraît, euh, on va dire, avoir eu un maximum d'infos très condensées. C'est toujours très difficile pour nous de vous présenter un maximum de, de pression en très, euh, de en très peu de temps. J'espère qu'on a qu'on a été assez efficace. N'hésitez pas. Donc, pour ceux et celles qui auraient des questions à la suite de ce live, à les poser en commentaire, nous y serons pas à revenir vers vous. Hein. On se fera un plaisir avec de Eric d'y répondre, répondre. Euh, mais aussi bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Hein. Comme je le dis, un petit pouce, c'est toujours euh, plaisant. Euh, retrouvez nous également donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, voilà. Et si vous voulez voir l'intégralité de nos produits, rendez-vous sur notre site internet classe.com. Ben écoutez, je pense que, que l'on a tout dit. Euh, il est temps pour nous de se quitter. En vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir Eric, merci beaucoup. Et surtout, prenez soin de vous. Hein. Au revoir les filles. Au revoir tout le monde. Salut, merci. Et, et à, à la prochaine. Eric, n'oublie pas de mettre le petit Jésus dans la crèche. J'y manquerai pas. Très bien. Et une petite pensée pour ma fille si elle me regarde. <laughs> Allez, merci, au revoir. Au revoir.